et le pantin de papy. Bonjour tout le monde. Bien, j'espère que vous êtes tous accompagnés d'un membre de votre famille. Oui, oui. Zach, qui t'accompagne? Personne, papa est en retard. Bon, j'espère qu'il ne va pas tarder. Donc aujourd'hui, chacun d'entre vous va devoir créer quelque chose avec un membre de sa famille. Dessiner un portrait ou fabriquer un objet qui lui rappelle un proche. Voilà, c'est comme vous voulez. Je sais ce que je vais faire. Allô? Qu'as-tu décidé, Zou? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais, si on faisait un jouet que tu avais quand tu étais petit. En voilà une bonne idée. Voyons voir. Ah, je me souviens avoir eu un pantin quand j'avais ton âge. Il s'appelait Zouk. J'emmenais partout où j'allais. Mais oui, on va faire un nouveau Zouk. Bonne idée. Zach, désolé, ton papa vient d'appeler. Il a été retenu au magasin. Il ne pourra pas venir. Tu sais quoi, Zach? Tu n'as qu'à faire équipe avec mon papy et moi. Merci, Zou. Non. Voyons voir. Oh! Je suis sûr que cette photo est par ici. C'est celle-ci, papy? Ah oui, bravo Zou, merci. C'est bien mon petit Zouk. Pourquoi il est attaché comme ça? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un pantin à fil. Il faut tirer sur les fils attachés à la croix en bois, là, tu vois? C'est comme ça qu'on peut le faire marcher, sauter, danser. Alors, pour commencer, il nous faut du bois et de la ficelle. J'ai de la ficelle. On peut utiliser ce bout de bois? Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va pouvoir commencer. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à le peindre. Quelle couleur allons-nous choisir? Noir et blanc, comme nous. Oui, mais... et ses vêtements? Jaune et vert. Je crois qu'il serait plus joli en rouge et bleu. J'ai une idée, jaune et rouge, une couleur chacun. D'accord. Et voilà. Bravo les enfants, il est très ressemblant, c'est du beau travail. On dirait le jumeau de Zouk. Ah, que de bons souvenirs. Tiens, je vais chercher mon appareil. Il faut le prendre en photo. À tout de suite. Bonjour. Zou, tu ne crois pas qu'il devrait être un peu plus brillant, comme sur la photo? Peut-être. Attends, je vais le frotter. Oh non! Oh, désolé, Zou. Qu'est-ce que va dire ton papy? C'est pas grave, Zach. On va le réparer. Non. Pourvu que papy ne rentre pas avant qu'on ait terminé. L'appareil photo. Il doit pourtant bien être quelque part. Voilà. Je crois qu'il faut le refaire entièrement. Mais on ne sait pas sculpter le bois comme ton papy. C'est vrai. Et de toute façon, interdiction de toucher aux ciseaux à bois. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bonjour. Entre, Elsée. Zach et Zou sont dans la cuisine. Salut Zou, salut Zach. J'ai fini mon projet. Le vôtre avance bien? Il est cassé et on ne sait pas sculpter le bois. Et pourquoi vous ne le faites pas avec autre chose? Quoi par exemple? Peut-être de la pâte à modeler? Pourquoi pas? Et si on le faisait en frites? Eh bien les enfants, il y a une bonne ambiance ici. Je range les courses
et après, je ne vous dérange plus. Hé ! Des éponges ! On pourrait fabriquer un pantin avec des éponges ! Avec des éponges ! En tout cas, ce serait original. Je vote pour les éponges. Oui. Bien, ce sera plus pratique pour les transporter. Pour transporter quoi? Les éponges pour fabriquer votre pantin. Il en faudra beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais je suis sûre que Mamie et Nanou en ont à vous donner. Merci, papa. Des éponges, dis-tu? Je crois que oui. Attendez. Ah, j'ai dû le poser par ici. Pas là. Pas là-dessous. Il faut empêcher ton papy de le trouver. T'as raison. Jusqu'à ce qu'on ait fini le pantin, je vais le distraire pendant que vous le cachez. Papy? Tu ne te souviens vraiment pas de la couleur des habits de Zouk? Laisse-moi réfléchir encore un peu. Voyons, voyons. Jaune et noir? Oh. Non, attendez. Vert et bleu. Non, c'est pas ça. Marron et je ne sais plus, tiens. Désolé, Zou, impossible de m'en rappeler. C'est pas grave, papy. Oh, il n'y avait pas quelque chose posé là tout à l'heure? Non. Voilà les éponges que vous m'avez demandées. Super, merci, mamie. J'ai trouvé une cachette géniale pour l'appareil photo. Ton papy n'est pas prêt de le retrouver. Chouette, dépêchons-nous de finir notre pantin. Tenez les enfants, voilà trois éponges. Merci Nanou, on a assez d'éponges maintenant. Oh, mais c'est une photo du petit Zouk de papy ça. Je me souviens très bien de lui dans ses jolis habits orange et mauve. Orange et mauve. J'avoue que parfois je me demande si je n'ai pas complètement perdu la tête. Si vous saviez où j'ai retrouvé cet appareil photo, sapristi. Mais ce pantin a bien changé depuis tout à l'heure, dites-moi. Désolé, papy, c'est ma faute. J'ai cassé le pantin en bois. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais Zou, c'est... Regarde, on en a fait un autre, mais il ne ressemble pas du tout au tien. Désolé. Non, ils n'ont rien de commun. Il est beaucoup plus réussi que le mien. Il a les mêmes couleurs que mon vieux Zouk et il est bien plus original. C'est moi qui ai cassé le pantin, ce n'était pas Zou. Je voulais tout avouer, mais... Ne t'en fais pas, Zack. C'est déjà pardonné. Zou, je sais que tu voulais défendre Zack, mais il vaut toujours mieux dire la vérité. D'accord, papy. Je dois dire la vérité, moi aussi. Tu n'avais pas rangé ton appareil sous le lit, c'est moi qui l'ai caché là. Pardon. Vous avez d'autres vérités à me dire? Et moi, je dois vous avouer que j'ai très envie de vous prendre tous en photo, en souvenir du jour où Zou et ses amis ont recréé le pantin de papy en éponge. Tiens, vas-y. Dites Ouistiti. Ouistiti. Tiens, Zack, tu peux l'emmener chez toi et le montrer à ton papa. Tu nous as bien aidés. Tu veux dire que je pourrais le garder? Oui, et moi je garderai la photo. Ça me fera un super souvenir avec Zouk et mon papy.